Sangano, même vous êtes tous les trois, vous connaissez bien au courant des bonnes pétitions électorales qui finissent là. Adrien Duval, tu mets une pétition électorale contre Ricard, d'autres et souvent dans ce, une déclaration devant la Cour, de la Cour, il dit au gouvernement, MSM, il n'y a aucune élection. Zodi, il vient de speaker. Est-ce que ça choix de Adrien Duval comme speaker, c'est qu'il y a un deal politique derrière qui le MSM et le PMSD pour faire l'alliance? Parce que c'est ça même qui l'a l'enlève tout le monde. Est-ce que maintenant, avec l'élection Adrien Duval, l'alliance PMSD, MSM, il fait? Vous voulez pourquoi on là là? Pourquoi vous avez les choses, comment vous évoluez dans le temps? Oui, de toute façon, tout bonne élection, la pétition électorale qui finit, mettez contre le gouvernement. Pénable. Aucune pétition qui était bien. Y compris pour Adrien Duval. Anganou, je connais un partenaire dans l'alliance avec le MSM et les autres partis. Fini la consultation, je pensais, dans le choix de Adrien Duval. Pourquoi le choix de Adrien Duval qui tient membre jusqu'à hier du PMSD, un parti d'opposition? Et nous avons aussi certains articles de presse qui peut dire ou pas à l'aise avec PMSD qui. Non. L'occasion est claire. Non, non, n'est pas vrai. La deuxième partie, n'est pas vrai qu'il nous pas à l'aise. Ah, oui. Moi, la raison, le Premier ministre s'est consulté moi avec Steven Novigadou, ensemble, avant-hier, quand le. Et Ivan aussi, oui. Mais nous disons nous deux, parce que nous deux étions ensemble. Nous étions dans une fonction, et là, il y a une cause avec nous deux. Donc, nous tous les trois étions assis autour de la table, c'est causé. La proposition du Premier ministre, il est venu faire ça avec nous. Avec nos collaborations, nous sommes d'accord. Donc, il n'est pas vrai que si nous sommes contre le PMSD, nous partons pour prendre la position que nous prenons. Et pour toutes les raisons qui se laissent expliquer, nous pensons qu'ils avaient dû, Adrien Duval pour un bon speaker. Donc, ça c'est la première partie ou la deuxième partie de vos questions. Alain Ganou, moi, je me pose une question là. Vous me dites, t'allais là, hier, Premier ministre, il consulté où? Hier, avant-hier, comme vous dites. Allez, hier, avant-hier. Moi, mon collègue, il me dit, là, une dizaine de jours, la presse connaît. Hein. La presse connaît, Premier ministre, hier, avant-hier, il consulté où pour dire, ouais, rien, ça? Mais quoi, tout ce qui paraît dans la presse, c'est nécessairement vrai. Mais pourtant, il vient vrai là. Non, mais c'est pas tout. Mais la presse, il y a une spéculation, il y a une. Merci à comment? Il y a une bonne. Enfin, une dans certaines causes, mais nous, la presse dit beaucoup de choses. En tout cas, vous pensez au contraire, le Premier ministre, il agit correctement, il vient devant nous, qui pensait la meilleure personne, la plus apte à être choisie comme speaker, c'est M. Adrien Duval, il vient devant nous, qui nous pensait Lola, et comment on dit à vous, ni moi, ni Kamal Sy, nous ne montrer aucun désaccord, et donc c'est une décision collective. Maintenant, qui depuis longtemps, le Premier ministre a sorti un adresse sur la tête, tout ça, ça on va connaître. Mais ce qui m'a apprécié, c'est qu'il consultait nous, il dit à nous, qui fait, il pensait, Adrien Duval, il y a une raison correcte, qui, c'est-à-dire là, nous, une fille qui dit ça, qui dit, avec son expérience, etc., il peut faire un travail là. Est-ce que c'était le. De toute façon, il y a un track record, le député speaker. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reposté une mal faite au travail depuis le speaker? Autant qu'il me connaît, moi aussi dans le Parlement, moi aussi dans l'opposition, c'est à l'époque-là. Après 2014, l'élection du député speaker, autant qu'il me rappelle, jamais, il y a une petite chose qu'on dit qu'il nous a reposté. Donc, il y a un avocat, 10 ans standing, at the bar, l'une des députés speaker, bien aucune raison, qu'il n'est pas pour vous. Alain Ganou, un track record d'une blie, là. Adrien Duval, qui retrouve lui dans le PNQ, et le Premier ministre qui t'y cite ce nom, quand Xavier Duval, tu peux poser ce PNQ dans l'affaire Kisnen. Tous les deux, tu gagnes prise de bec, Xavier Duval dire à Premier ministre, don't bring my son, my family, etc. Premier ministre répond, dis-lui, moi, peux bring the family, moi, in a criminal offense contre lui, in drink and drive. Zodi, vous pouvez dire nous, il n'y a aucune reproche à faire avec Adrien Duval, alors que le Premier ministre, il dit un criminel. Il n'y a aucune reproche à faire contre lui quand il agit comme député speaker. Mais c'est le chef quand il s'occupe de la fonction du député speaker, il préside travaux bien, etc. C'est ça que je peux dire. Mais dans personne même, il y a un monde qui dit drink and drive, il y a un criminel offense. Pas le Premier ministre qui te donne l'information là.
Comment vous êtes ban membre du gouvernement, je trouve ça. Mais nous, comment bloquer Israël? La police. Il paraît que la relation est améliorée entre le gouvernement et le PMSD. Est-ce que vous souhaitez qu'il y fasse partie de l'alliance de la prochaine élection générale? Un premier pas, il fait la Zodi. Il fait le fils de l'ex-leader de l'opposition, Vin Speaker. Est-ce que vous souhaitez évidemment. Nous lier le choix de Xavier Duval comme speaker aujourd'hui avec le choix d'Adrien aujourd'hui comme speaker avec ce qui peut arriver plus avant. Une éventuelle alliance, oui ou non. À notre temps, nous étions. Alain Gano, est-ce que vous souhaitez faire l'alliance en PMSD? Souhaitez, évoluer. Voilà. Non, tu peux souhaiter l'élection devant la porte. À nous attendre les événements. Comment penser, Jehan? L'avenir prendra soin de l'avenir. Merci. Et bonne soirée.